Lorsque vous êtes en mode édition, vous pouvez venir modifier tout ce que vous voyez sur le Google Site. Pour ce petit défi, on vous invite à personnaliser la bannière du Google Site. Donc, la bannière, c'est ce qu'on retrouve dans le haut. Donc, on vous en propose déjà une. Ça se peut très bien que ça ne vous convienne pas. Alors, on va tout simplement réinitialiser. On revient donc avec un fond proposé par Google et on pourrait aller cliquer sur « Images ». Aller sélectionner des images qui nous sont proposées. Donc, Google en propose quelques-unes. Nous sélectionnons celle de notre choix et elle va se mettre automatiquement dans la bannière. En double-cliquant, on a un petit cercle qui apparaît dans lequel on peut venir ajouter un texte, donc qui pourrait être le titre. Et là, on peut venir surligner, aller changer l'écriture, aller changer la grosseur du texte, le centrer, changer la couleur, etc. Donc, voilà comment faire les modifications. Vous avez aussi les petites étoiles ici pour pâlir l'image de fond afin que votre titre ressorte un petit peu plus. Dans les images, vous avez également la possibilité de venir téléverser une image. Donc, comme on l'avait fait de notre côté, on avait créé une image dans Canva. Alors, on pourrait venir supprimer à ce moment-là notre boîte de texte. Et jouer avec nos petites étoiles pour voir la visibilité.